Donc voici l'église de Gimont. Qui est dans l'obscurité. Toujours assez impressionnant. On ne peut pas les voir, mais les vitraux sont magnifiques. Je ne sais pas si on arrive à les voir. Ah non, il y a trop de lumière à l'extérieur. C'est un peu dommage. Et par contre, il y a un orgue qui est vraiment, vraiment très beau, quoi. Pour une église, elle est quand même assez immense. Et là, vous avez la statue de Notre-Dame de Gimont. Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne. Bon, eh bien, ce que je craignais est arrivé. Le médecin a dit qu'il était hors de question que je continue. En fait, c'est une infection d'une ampoule que j'ai eue qui met à vif la chair. Et donc, je risque une infection sévère. Donc, elle est mal située, cette ampoule, elle est au-dessus d'un ongle. Donc c'est voilà, c'est pas très beau à voir, je vous le montrerai pas de toute façon. Bah c'est mort pour moi là, donc on va arrêter. C'est-à-dire qu'on va arrêter pour cette année. Les gîtes eux ferment, si je ne savais pas, ils ferment vendredi. Donc ça aurait été compliqué de continuer, même en bivouac sauvage. Donc voilà, bah, c'est pas grave, on va reprendre au 1er avril, direction Auch. Je suis arrêté à peu près. Donc voilà. Et puis bah, de toute façon, il y aura toujours des entraînements. Donc je filmerai tout ça. Entraînement de 25 km par jour, c'est obligatoire. Et bien sur ce, merci de m'avoir suivi et à plus tard.